de travailler. It is working. Elle était en train de s'asseoir sur les puissants des ténèbres. It was sitting down on the powers of darkness. Lorsqu'elle a terminé son œuvre, when it was done with its work in the grave, rien ne pouvait plus l'empêcher de sortir de là. Nothing that would hold it from coming out anymore. Quand 3 jours sont arrivés, when 3 days were done, il a fini son travail. He was done with his work. Le troisième jour, Thursday, très tôt le matin, very early in the morning, même ceux qui ne croyaient, even those who did not believe, sont venus regarder. They went and checked it out. Ils ont trouvé la parole. When they found the word, assis sur un rocher, sat on a rock. Et en leur disant, they tell them, c'est lui que vous êtes venu chercher. Him you came to fight. N'est plus là. This is the one that's the way you think. Where they positioned you. You won't fall to them anymore. Hallelujah. Hallelujah. Somebody say amen here. Hallelujah. Hallelujah. Did you tell him to wait. Yes, Lord. On ne peut pas imprisonner la parole. We cannot imprison the word. No, we cannot. On ne peut pas. We cannot. On ne peut pas. We cannot. Okay, deuxième chose. Now, second thing. Que nous avions appris. That we learned. C'était hier. Was yesterday. Ce que il y a des vies. That there are some lives. Il y a des destinées. Some destinies. Qu'on peut emprisonner. That we can imprison. Qu'on peut emprisonner. That we can imprison. Mais, but ta destinée. Your destiny. Ta vie. Your life. N'en fait pas partie. Is not part of it. Amen. Amen. Alléluia. L'histoire. D'un jeune homme. The story of a young man qui était un fils unique, who was an only son d'une veuve, of a widow. Cette histoire est parlante. This story speaks a lot. La Bible nous dit, Bible tells us, que Jésus venait d'opérer un miracle. That Jesus had just done a miracle. Dans la vie du serviteur d'un homme riche. In the life of the servant of a rich man. Et cet homme était une personnalité importante dans la ville. And that man was an important personality in the city. On l'appelait le centenier. He was called centurion. Son serviteur était malade. His servant was sick. Jésus venait de le guérir. Jesus had just healed him. Lorsqu'il s'apprêtait à sortir de la ville, and when he was getting ready to leave the city, il a constaté quelque chose. He noticed something. Il a vu une foule. He saw a crowd qui s'apprêtait à aller enterrer un jeune homme. That was getting ready to bury a young man. Le jeune homme était un fils unique. The young man was the only son. Et sa maman était une veuve. And his mother, a widow. Les gens étaient nombreux. People were many. Ils s'apprêtaient à aller l'enterrer. They were getting to bury him. Jésus s'est arrêté. Jesus stopped. Il a arrêté ses disciples. He stopped his disciples. Il leur a demandé. He asked them. Qu'est-ce qui se passe là-bas? What's going on over there? On est en train d'aller enterrer un jeune homme. They are going to bury a young man. Stop. He said, stop. Quand vous lisez l'histoire, when you read the story, dans Luc chapitre 7, in Luke chapter 7, vous allez lire quelque part où
il est écrit, Jésus était déjà sur le point de sortir de la ville. You know the way that he says that Jesus was on the point of leaving the city. Alors s'il sortait de la ville, so had he come out of the city, sans voir la situation, without seeing that situation, c'était fini. It would have been done for that young man. À la sortie de la ville. But why at the exit of the city? Comme s'il y avait quelque chose qui l'avait retenu. It's like there was something that held him back. Écoutez-moi très bien. Listen to me carefully. Lorsque tu es dans le collimateur de Dieu, when you are in God's target, lorsque tu es dans le plan de Dieu, but parce qu'il sait, because he knows, il sait demande la permission, that if he has the permission, même à ta propre mère, even to your own mother, tu seras étonné d'entendre ça. You should be surprised to hear your mother saying never. Est-ce que c'est pas vrai? Isn't that true? Une deuxième chose importante. A second important thing. C'est que is that Jésus sortait d'une rencontre avec un homme riche. Jesus was coming out of an encounter with a rich man. N'est-ce pas? Right? N'est-ce pas? Right? Le centurion était un homme riche. The centurion was a rich man. Mais but cela n'a pas empêché. That did not prevent qu'il ait aussi une rencontre avec une veuve. That he also had an encounter with a widow. C'est ce que vous devez dire. That means que Jésus, that Jesus, le Seigneur, the Lord, le Fils de Dieu, the Son of God, il ne fait point exception de personne. Does not make exceptions of people. S'il a béni quelqu'un dans ta famille, if he's blessed somebody in your family, il va aussi te regarder un jour. One day will also look at you. S'il a guéri quelqu'un quelque part, if he ever heal somebody somewhere, sache que un jour il te guérira. One day will also heal you. Seule chose, the only thing important pour toi, that's important for you, c'est de te rassurer, is to make sure que tu es dans son domaine, that you are in his domain. Hallelujah! Hallelujah! Troisième chose, third thing que je peux retenir de cette histoire, that I retain from that story, c'est que la foule, is that the crowd, dans la foule on ne sait même pas qui est qui. In the crowd we don't even know who is who. À Douala où je viens, in the city of Douala where I come from, au Cameroun, in Cameroun, les autochtones de cette ville, the people of that city, lorsqu'ils accompagnent quelqu'un de leur village à la tombe, when they accompany somebody from the village to bury him at the tomb, ils prennent toute la route. They take the whole road. Et il y a tout un rang. And there's a long line qui peut aller même à un kilomètre. That can be even like about a mile long. C'est comme, et tout le monde passe. And you see them walking. They want to. Hallelujah! Hallelujah! Ils sont contents avec les habits blancs. They are happy with some white clothes. Pour aller accompagner quelqu'un, to go bury somebody dans la tombe, in the grave. C'était le même scénario. It was the same scene. Dans cette foule, in that crowd, il y a une petite quantité de personnes qui ont la compassion. There's just a handful of people who still have compassion. Mais la majorité, but the majority, they don't care. They just want to bury him and go eat. Because they look up to the food. They don't come to accompany you because of the compassion. Let's just go in that hole and let's go eat and drink. Ça se fait aussi ici en Jamaïque, ça se fait comme ça. Is that true in Jamaica also? Yes. Alors, now, est-ce que vous me suivez? Are you guys listening to me? S'il vous plaît, je vous ai demandé d'être attentif. Please, I ask you to be attentive. Jésus voyant cette foule, so Jesus seeing that crowd, ask the crowd to stop. Maintenant, but now, entre la foule et Jésus qui est fou,
Mais tu dois croire en Jesus. Who's crazy? Parce que c'était normal pour la foule d'aller enterrer mort. Because it was just normal for the crowd to go bury a dead one. Mais Jésus. But Jesus. Que cet enterrement est anormal. Things this burial was abnormal. Il leur dit arrêtez. So he tells them stop. Ça veut dire que quoi? What does that mean? Il y a des gens qui meurent et on les enterre sans que Dieu ne soit là. There are some people who die and they bury them without God being there. Il y a des gens qui meurent et on enterre sans que Dieu soit là. There are people who die and they bury them without God being there. That's the truth. Non, non, l'habitude de dire. But usually say. Oh, c'est toi qui as donné. Oh, it is you who gave. C'est toi qui as donné. And it is you who took back. Je n'ai rien à dire, Seigneur. I don't know what to say, Lord. On se console dans l'ignorance. They comfort themselves in ignorance. C'est fini. It's finished. Ce n'est pas tous qui meurent au temps de Dieu. It's not everything that dies in God's time. Je vous ai parlé de la jeune fille. I've told you about the young girl. C'était encore quand? When was that? C'était hier. It was yesterday. Oui, la jeune fille, hier, c'était la pierre de la sorcellerie qu'on a déposée sur son cœur. Yeah, the young girl of yesterday, they had put a stone of witchcraft on her heart. Vendredi, j'étais dans le témoignage du miracle de la résurrection. But Friday, I gave you the testimony of the miracle of the resurrection. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Pour ceux qui n'étaient pas là. For those who were not there. Regardez-moi, il n'est pas pasteur. Look at me, look at me. Il n'est pas pasteur. Look at me, look at me. How are you? What's going on here? Hallelujah. 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 La petite fille était morte. The young girl was dead. On l'a amenée à l'église. They took her to church. J'ai expliqué comment j'ai tremblé. I explained to you how I trembled. Parce que pour moi, c'était fini. Because for me, it was over. Je ne sais pas d'où le courage est venu. But I don't know where the courage came from. Dieu m'a donné la force de prendre la fille. God gave me the strength to carry the girl. Elle a déposé sur le tel comme je fais. Avec and to place from the author just like I did with this computer. So I told God, if I'm your servant, show it to me. And God proved it to me. But before he proved it to me, you know, man always has senses that react. I closed my eyes. I said, I'm not going to be looking whether or not she will wake up. But I was still praying. At a moment donné, at a time, she said, "Sir, je continue à prier." I kept on praying. Et à un moment donné, j'ai entendu comment le pulpit a bougé. And at the time, I felt like the pulpit was shaking a little bit. J'ai regardé. I looked again. Elle avait les yeux ouverts. She had her eyes open. Alléluia. Alléluia. Si cet enfant mourait, if that child had died, on allait dire, we would have said, Seigneur, Lord, c'est toi qui as donné. You are the one who gave. And you took back. Et surtout l'histoire dit que, and especially the story says that, son grand frère était mort. Her grandfather, her grandmother was dead. Même âge. About the same age. Et voilà là où il y a l'ironie, un peu l'ironie. And here's where there was an irony. Le grand frère avait mon nom. Okay, the grandbrother had my name. Il est mort. He died. Celle qui arrive, the one who followed, on lui donne le nom de ma femme. They gave her the name of my wife. Meurt encore. She dies still. Je dis, Seigneur. I said, Lord, I cannot accept that. Vous voyez ça? You see that? Ta destinée. Your destiny. Personne. No one ne peut jouer avec. Can play with it. Parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Because it has the price to the eyes of the Lord.
Peu importe ce que tu fais aujourd'hui. No matter what you live today. Personne ne doit t'enterrer avant ton temps. Nobody should bury you before your time. Est-ce que je suis ici? Are you guys following me here? Que personne ne doit enterrer ta vie avant le temps. Say nobody can bury your life before your time. Hallelujah. Hallelujah. That's the truth. Et ce matin, and this morning, je vais vous donner quelques clés. I will give you a few keys. Très simple. Very simple. Qui peut vous maintenir dans la victoire continue? That can keep you in continuous victory. Est-ce que vous savez que vous pouvez maintenir votre victoire? Do you know that you can maintain your victory? Le problème auquel nous faisons, c'est que aujourd'hui nous sommes en haut, demain nous sommes comme ça. The problem is that today we are up, tomorrow we are down. Et la Bible nous dit. But the Bible tells us. Ouvre ta Bible. Open your Bible. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. In 2 Corinthians 2, 14. Ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. Open up your Bible. Deux Corinthiens chapitre 2 verset 14. 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Alléluia. Alléluia. Tu peux vaincre en tout temps. You can win in all times. Dis à ton voisin, tu peux vaincre en tout temps. Tell your neighbor, you can win at all times. Dis à quelqu'un d'autre, tu peux vaincre en tout temps. Tell somebody else, you can win at all times. Alléluia. Alléluia. C'est pas moi qui le dis. It's not I singing it. Ok. Prends ton temps, mon enfant. Ok, c'est ça. S'il vous plaît, suivons très bien. Nous rentrons maintenant en enseignement de la journée, de la nuit, de la journée. 2 Corinthiens chapitre 25, 14 nous dit 2 Corinthiens 2, 14 says. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Thanks be to God who in Christ always leads us in triumphal possession. Alléluia. Alléluia. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. And to us spreads in every place the fragrance that comes from knowing Him. Grâce soit rendue à Dieu. Thanks be given to God. Qui nous fait toujours triompher. Who always makes us triumph. Et c'est ça qui m'amène à te dire ce matin. And this is what makes you tell me this morning. Que en tout temps tu peux vaincre. That in all Amen. Times you can win. Amen. S'il y a des combats, if there are some battles, que tu gardes dans ton esprit, that you have in your spirit, que en Christ, that in Christ, nous avons toujours la victoire. We always have the victory. Amen. La victoire n'est pas pour un temps. The victory is not just for a time. Mais la victoire c'est pour tous les temps. The victory is for all times. Lorsqu'on est en Christ. When we are Amen. In Christ. Amen. 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 C'est pas parce que nous avons la victoire. It's not because we got the victory. Qu'il n'y aura pas de combat. That there won't be any battle. D'ailleurs. Besides, il ne peut pas avoir de victoire s'il n'y a pas de combat. You cannot talk of victory if there is no battle. Ça, ça veut dire, that means que nous allons combattre. That we're going to fight. Mais la victoire, but victory est la nôtre. Is ours. Lorsque nous venons en Christ, when we come to Christ. Les gens pensent qu'il n'y aura plus de combat. Many think they won't have any more battles. C'est la raison pour laquelle. That's the reason why. Vous
Vous allez voir des chrétiens qui avancent en dents de scie. You will see some Christians progressing like a saw. Aujourd'hui ils sont debout. Today they are standing up. Demain ils sont en bas. Tomorrow they are down. Aujourd'hui ils sont debout. Today they are up. Demain ils sont en bas. Tomorrow they are down. Mais la Bible nous dit. But the Bible tells us. En Christ, in Christ, nous triomphons. We always triumph. Répète après moi. Repeat after me. En Christ, in Christ, je triomphe toujours. I always triumph. En Christ, in Christ, je triomphe toujours. I always triumph. Une fois de plus, en Christ, in Christ, je triomphe toujours. I always triumph. Regardez. Look, je vais prendre un bon exemple. I will take a good example. Christ lui-même. Christ himself. Il a été persécuté. Was persecuted. Lorsque vous lisez la Bible. When you read the Bible. Et que vous arrivez là où on parle de la tentation dans le désert. And you read where they talk about the temptation in the desert, the wilderness. Vous lisez comme les littéraires et vous passez. You read just like simple literature and you move on. But you cannot imagine. Quelle est la souffrance? What is the suffering? Quelle est la douleur? What is the pain? Quel était le degré de l'épreuve? What was the degree of the trial? Auquel Christ faisait face en ce moment. To which Christ was facing. La Bible nous dit que le diable était en face de lui. The Bible tells us that the devil was standing right in front of him. Je ne sais pas si tu vois le diable. I don't know if you see the devil for even 1 second. You can still stand up. But for 40 days, the devil was coming every day to try Jesus. The ugliness of the devil, spiritually speaking, will make you run away. But Christ, for 40 days, resisted him. You will say that's spiritual. But physically, the Bible tells us people that could not even undo his shoelaces, they spat on him. He didn't say anything. On lui a fait porter la croix. They made him carry the cross. Il n'a rien dit. He didn't say anything. On a pris la chicotte. They took the word. Le fouet. Some words. Le fouet de chien. And they whipped him out. Et chaque fois qu'on fouettait. And each other was doing it. Une fois. Once. Deux fois. Two times. 40 fois. 40 times. Et chaque fois qu'on tirait sur son dos, and each time they were pulling from his back, he was leaving a big wound. Et quand ça dépasse la blessure, and when it was too much for the wound, on appelle ça mère blessure. They call it stripes. Ça veut dire quoi? What does that mean? Dans le mot meurtre, si on parle de meurtre, in the word stripes, the talk of murder. Ça veut dire que chaque coup, that means every hit, avait l'intention de le tuer, had the intention to kill him. Il a souffert. He suffered spiritually. Spiritually, il a souffert. He suffered dans son corps, in his flesh. Mais chaque souffrance. But every suffering, le conduisait quelque part, was leading him somewhere. Jusqu'à ce qu'il est allé à la croix. Until he got to the cross, un semblant d'élévation, a likeness of lifting up, mais sans fondement, but without any foundation. Is someone understanding me? Il est allé à la croix. He went to the cross. Vous savez, lorsque tu vas à la croix, you know when you go to the cross, tu es élevé. You are lifted up. Il était sur une montagne. So he was on a mountain. À la croix. On the cross. Il voyait la foule.
He was seeing the crowd. Un semblant d'élévation. A likeness of lifting. Mais qui n'était pas encore l'élévation. But that was not quite yet elevation. Parce qu'il n'y a pas d'élévation. But because there was no lifting sans la mort. Without death. Amen. Amen. Il est allé à la croix. He went to the cross. Il est descendu. And he went down. Écoutez-moi, frère. Listen to me, brothers. S'il y a dans cette salle, il y a dans cette salle des hommes et des femmes, men and women, qui à un moment donné, who at a time in their life, ou à ce moment-là, or even right now, vous êtes au niveau bas. You are in the low level. Ne vous inquiétez pas. Don't you worry. Parce que je viens. Because one day will come. Dieu, when God viendra vous enlever, will come to fish you out de là où vous êtes, from where you are, pour vous élever, to lift you out. Listen to me. La croix, the cross, c'est l'élévation des hommes. Is a lifting up of men. Et chaque fois qu'un homme te lève, and each time a man lifts you up, il faut s'attendre à la chute. You have to expect the next part. Parce que la main de l'homme, because the hand of man, n'aura pas la force, will not have the strength, aucune capacité, no capability, de te soutenir, to sustain you up. Tout ce qui est naturel, everything that's natural, a une fin, has an end. Mais permet, but allow, permet, allow, que Dieu, that God, te rabaisse. Lowers you down. He lowers you. Et il dit, and he says, celui qui se rabaissera, he will bow himself. No matter, what you live in today, accept this. Just accept it. Parce que tu es Dieu. Because you have a God. Listen. Him alone. And look at your God, the last word. May lower you down. Applaudit Dieu. It's a clear God. Un jour, one day, Dieu, God, là où il tombe, when he puts you, viendra te chercher. He will come take you. Et il te positionne. He will position you. Et il dit, and he says, celui qui est élevé par moi, he who's lifted up by me, ne sera jamais rabaissé. Will never be brought down again. Hallelujah. Amen. La main de Dieu est éternelle. The hand of God is eternal. Amen. C'est pas la main d'un homme. It's not the hand of a man. Ne cherchez jamais. Don't you never try. Que les hommes vous élèvent. That man lift you up. Et c'est Dieu vous élève. Amen. God lift you up. Hallelujah. Hallelujah. Et c'est Dieu vous élève. Let God lift you up. Yes. C'est là le secret de la victoire. That's right there, the secret of victory. Quand tu es du côté du Seigneur. When you count on the Lord, quand tu es du côté du when Seigneur, you are on the side of the Lord, tu n'as pas besoin d'avoir peur. You don't need to be afraid. Ne tremble pas. Don't shoot tremble. Mais j'ai un conseil à te donner. But I have an advice for you. Ne joue pas avec Dieu. Don't you play with God. Dieu n'est pas un homme. God is not a man. Dieu reste Dieu. God remains God. Quand tu as choisi Dieu, when you've chosen God, reste avec Dieu. Remain with Him. Si tu as choisi le monde, if you've chosen the world, reste dans le monde. Remain in the world. Jamais semblant. But don't you never fake it. Un pied sur Dieu. One foot on God. Un pied sur l'homme. And the other on man. Tu sais ce qui va se passer? You know what's going to happen? Les deux vont te partager. Both will share you. Les deux. Both. Vont te partager. They will share you. Imagine ce qui va arriver. Just imagine what will happen. Un pied sur Dieu. One foot on God. Un pied sur Dieu. One on man. You be split. Que cela ne t'arrive pas. Yes. Yes. In Jesus' name. Nous avons toujours la victoire. We always have the victory. Alors comment est-ce que nous pouvons vaincre tout le temps? So how can we always overcome? Je vais vous donner quelques secrets. This morning I'll give you a few secrets. Hallelujah. Hallelujah. Les choses que vous devez comprendre. The things you need to understand. La première. The first. Est-ce que vous me suivez? Are you guys listening to me? Please. La première chose que tu dois comprendre. The first thing you need to understand. Dans cette bataille. In this battle. Si tu veux toujours vaincre. If you always want to overcome. Tu dois comprendre. You need to understand. Que tu es engagé dans une guerre spirituelle. That you are engaged in spiritual warfare. Suivez-moi. Listen to me. Depuis le jour
Ever since the day où tu as donné ta vie au Seigneur, when you gave your life to the Lord, tu as déclenché une guerre. You triggered the war. Il faut que tu le comprennes. You need to understand it. Il faut que tu le saches. You need to know it. La vie chrétienne, the Christian life, c'est une vie de combat. Is a life of battles. Et chaque chrétien, que tu le veux ou pas, and every Christian, whether you want it or not, tu es engagé dans une guerre spirituelle. You are engaged in a spiritual warfare. C'est la raison pour laquelle, that's the reason why, vous allez voir le comportement de Jésus. You will see the behavior of Jesus devant le diable, before the devil. Il savait ce qu'il devait faire. He knew what he was going to do. Devant les autres, before me, il avait une attitude. He had one attitude. Il ne se comportait pas charnellement. He wasn't behaving fleshly. Il n'avait jamais cherché les solutions charnelles. He never looked for fleshly solutions. Il n'avait jamais pensé un seul instant que sa solution viendrait de la chair. He never thought one instant that the solution would come from the flesh. On le frappe. This strike him. On le gifle. They slap him. On le sait. They insult him. Et qu'est-ce qu'il dit? And what does it say? Father, forgive them. God, for they know not what they're doing. But if that were you, Pastor, you see, I give it to a church. It's no longer the church of Christ. It's now the church of the pastor. Pastor, if that woman continues, I will no longer come to your church. Who are you fighting? The flesh. Ce n'est plus l'église de Christ. It's no longer Christ's church. It's the church of the pastor. Oh, pastor. My pastor. Tu l'as pas vu. You didn't see it. Quand je suis entré là. When I, you didn't see me when I entered. Comment elles m'ont regardé. You saw how they looked at me. Je dis que le groupe de femmes là. I'm telling you that group of women. Plus jamais. Never again with them. Listen to me carefully. Écoutez-moi. Listen to me. Tu viens pour le groupe de femmes là. Are you coming for that group of women? Je vais te poser la question. I'm asking you this question. Si tu n'es pas éprouvé, if you are not tried, okay, je vais prendre un exemple très clair. Let me take a simple example. Nous allons prier pour les étudiants, les élèves ce matin. We're going to pray for the students this morning. Amen. This one, right? C'est pour qu'ils aillent à l'école. It's for them to go to school. Et là-bas à l'école. And over there at school. Pour aller à une classe supérieure. To go to the next class. Il faut passer à un examen. You need to pass an exam. S'ils ne passent pas l'examen, if they don't pass the final exams, ils n'auront pas une classe supérieure. They won't go to the next level. Toi, le parent. You, the parent, tu vas gronder l'enfant. You will yell at the other student. Il était là, manger. You only eat, drink, and sleep. Try that again. Tu n'iras pas à l'école. You won't go back to school anymore. Et comme les enfants ici, and like the children here, la première loi qu'ils connaissent, the first law they know, Mama, si tu continues, if you continue that, I'm calling 911. Si un enfant chrétien le fait, if a Christian child does that, il est sous l'influence des démons. It's under the influence of demons. Un enfant chrétien ne doit jamais appeler le 911. A Christian child should never dial 911. Amen. Il doit être soumis. You need to be submitted. Et obéissant aux parents. And obedient to the parents. D'ailleurs. Besides, si tu veux vivre longtemps, if you want to live a long life, tu veux vivre longtemps, if you want to live long, toi, you, tu dois obéir aux parents. You must obey your parents. Do you understand? Amen. 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 God knows why he wants me to talk to you. It's a prophecy. It's a prophecy for you. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. You have to cheer. We're with God.
Gloire à Dieu. Glory to God. Tu dois savoir que tu es engagé dans un combat. You need to know that you are engaged in a warfare. Et le combat en tant que chrétien n'est pas charnel. And the battle as Christians is not fleshy. Il est spirituel. It's spiritual. Paul dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Paul says we do not war against flesh and blood. Ce n'est pas beaucoup de babadage. It's not a lot of talk. Tu as le problème avec ton mari. You have problem with your husband at home. Tu as le problème avec ta femme à la maison. Or you have the problem with your wife at home. J'ai été traumatisé. I was traumatized. Quand je suis arrivé ici dernièrement. When I came here last time. J'étais déjà au lit. I was already in my bed. Oh Jesus. J'ai entendu le bruit. I heard a noise. J'ai appelé le pasteur. I called the pastor. Il y a I told him, is there something going on outside? Je suis sorti. I went out. J'ai dit, venez voir. I said, come and see, come and see. Je dis, c'est quoi? I asked, what is it? Pastor asked me, what is it? I told him, come and see. Regardez la femme là. Look at that woman. Please help me with something like a stick. I don't have any flash. You gotta have any. I don't know. And that man was just as muscles, had muscles just like me. Don't touch me. Ne me touche pas. La femme suit. The woman was following him. Et l'homme fuit. And the man is running away. She had a right. Don't tell me my preaching. Les États-Unis sont plus que le royaume de Dieu. The U.S. are more than the kingdom of God. Mais pourquoi quand je vous parle, vous dites États-Unis? So why if it's not the case, then why when I told you say the U.S.? Je suis en train de vous communiquer la mentalité du royaume. I am giving you the mentality of the kingdom. Si tu le faisais, tu ne le fais plus. If you were doing it, don't do it anymore. Amen. Parce que tu es en train de maudire tes enfants. Because you are cursing yourself, your children, and your grandchildren. You understand why? When you change God's order, you are under a curse. Amen. Hallelujah. If there are any problems, ça peut se résoudre sous une autre forme. They can be solved in other ways. À cause de by talking. Si le contact n'est pas établi encore, if the contact is not yet established, la Bible dit, the Bible says, le cœur de l'homme est entre les mains de Dieu. The heart of man is in God's hands. Prends le temps que cela prendra. Take the time it will take. Parle à Dieu. Talk to God. Pour toucher le cœur de quelqu'un. Touch somebody's heart. Amen. Il faut utiliser les principes du royaume. We need to use the principles of the kingdom. We are in the U.S. So if Christ was still alive, coming to the U.S., he wouldn't preach the gospel anymore. Il faut que tu connaisses le domaine dans lequel tu te trouves. You need to know the domain in which you are. Hallelujah. Hallelujah. Paul dit à Timothée. Paul tells Timothy, combat le bon combat de la foi. Fight the good fight of faith. Amen. Amen. La première clé se trouve dans 1 Timothée 6, verset 12. The first key is in 1 Timothy chapter 6, verse 12. Nous allons passer à la deuxième clé. We're going to move on to the second key. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Peter chapter 1, chapter 5, verse 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Peter chapter 5, verse 8. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que nous sommes tous à la page? Are we there yet? 1 Pierre. 1 Peter. Chapitre 5, verset 8. Chapter 5, verse 8. La Bible dit. Bible tells me. Soyez sobre. Discipline yourselves. Veillez. Keep alert. Votre adversaire, le diable. Like a roaring lion. Rôde comme un lion rugissant. The adversary, the devil, prowls around. Cherchant qui dévorer. Looking for someone to devour. Alléluia. Alléluia. Je vous en prie. I beg you. Sûrement. Only. Pour vaincre toujours. To always overcome. Tu dois identifier ton ennemi. You need to identify your enemy. Dis à quelqu'un, identifie ton ennemi. Tell somebody, identify your enemy. Dis à quelqu'un, identifie bien ton ennemi. Tell somebody, identify well your enemy. Alléluia. Alléluia. Lorsque Jésus dit, when Jesus says, Père, Father, pardon, forgive, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Forgive them because they know not what they're doing. Parce qu'ils ne les considéraient pas comme ses ennemis. Because he was not considering them as his enemies. Jésus connaissait son ennemi. Jesus knew his real enemy. Il savait qui était derrière chaque opposition. He knew who was behind every opposition. Regardez. Look. C'est une illustration très importante. That's a very important illustration. Lorsque Jésus, when Jesus, sur la barque, on the boat, dans la mer, in the sea, commence à expérimenter la tempête. Start to experience the storm. La tempête a commencé à souffler. The Bible said that the storm started to make some noise. Les disciples ont commencé à trembler. And the disciples started to shake. Et lui, il avait les pieds croisés. And he had his feet folded. Très calme. Very calm. Est-ce que vous pouvez imaginer? Can you imagine? Quelqu'un qui est oppressé. Somebody who's oppressed. De la sorte. Like that. La barque va chavirer. The boat was about to sink. Il ne tremblait pas. But he was not shaking. Pourquoi? Why? Parce qu'il avait identifié celui qui était derrière. Because he had identified the person behind him. Cependant, yet, les disciples tremblaient. The disciples, they were trembling. Seigneur, Seigneur. Lord, Lord. Réveille-toi. Wake up. Ne vois-tu pas que la barque va chavirer? Don't you see that the boat is about to capsize down? He stood up. He talked to them. Why are you guys afraid? Il a ouvert la bouche. So he opened the mouth. Il a dit, he said, tempête, storm, calme-toi. Calm down. Ici aux États-Unis, here in the US, comme tout est devenu scientifique, since everything became scientific, quand il ouvre la bouche pour dire à Katharina de se calmer, if somebody opened the mouth to tell Katrina to calm down, the next day he will be on television. They will call him a madman. But Jesus, he knew who was behind the storm. Here's the proof. As soon as they got to the banks, they got out of the water. Immediately, they met some people qui ont commencé à se manifester. Who started to manifest themselves. It was demons. They started to say, tu nous as battu sur la mer. But you beat us on the sea. Mais tu viens encore sur la terre nous combattre. And you're still coming on earth to fight us. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? What is it between you and us? S'il te plaît. Please. Ne nous tourmente pas. Don't torment us. S'il te plaît. Please. Envoie-nous dans cette bouche. Just sit in this port. Who were talking? It is those that were in the sea. Once he cast them out,
They went to the water. They went from the sea to the land. And when Jesus got to the land, they started to say, even here, they had forgotten that Jesus had received the power. To govern the heavens, earth, and sea. Hallelujah. Amen. Yes. He told them, now, get in this port. He knew his enemy. Your enemy is not your grandmother in the village. Your enemy is the devil. Écoutez-moi. Listen to me. Pourquoi je le dis? Why am I saying it? Le diable ne sera jamais sauvé. The devil will never be saved. Mais ta grand-mère. But your grandmother peut être sauvée. She can be saved. Amen. Amen. Les gens passent tout le temps à se faire des ennemis. People spend the whole time making up some enemies. Si vous rencontrez un homme de Dieu, if you meet a man of God, qui vous dit que votre ennemi c'est votre femme, who tells you your enemy is your wife, que votre ennemi c'est votre mari, that your enemy is your husband, ou votre ennemi c'est votre fils, or your enemy is your son, il n'est pas sérieux. He is not serious. Jésus. Jesus will never tell you that. Écoute-moi. Listen to me. Ces gens peuvent être influencés. Those people could be influenced par Satan. By saying, listen to me. Tout comme je suis un serviteur de Dieu, just like I'm a servant of God, l'Esprit de Dieu habite en moi. The Spirit of God lives in me. C'est comme ça que d'autres se sont disposés pour que l'esprit du diable habite en eux. That's just how some people have made it so that the spirit of the devil lives in them. Maintenant, now, dans le combat spirituel, in the spiritual warfare, on ne suit pas les mouvements. We do not follow the movements. On suit la cible. We follow the target. Amen. Amen. Woo. Amen. Woo. Hallelujah. Nous passons du temps à suivre les mouvements. We spend a lot of time following movements. No. Qu'est-ce qui agit en lui? What is acting inside of him? Quand tu cibles la personne spirituellement parlant qui agit en lui, when you corner the person who is spiritually speaking in him, comment est cet esprit de parti? You will come in that spirit with God. Et tu vas gagner ton frère. And you will win over your brother. Yeah. Yes. Mais chaque fois que tu passes ton temps. But each time you spend the time à courir derrière les mouvements, running after movements, tu vas te rendre compte que la situation ne va jamais changer. You will notice the situation never changes. Oh, c'est ma maman. Oh, it's my mother. Mais depuis que tu cries que c'est ta maman, ça n'a jamais changé. But ever since you've been shouting it's your mother, nothing changed. Parce que tu as regardé ta maman. Because you look at your mother. Mais tu n'as pas regardé la personne qui influence ta maman. You did not look at the person who's influencing your mother. Mais quand tu regardes, quand tu touches la cible, but when you look, when you touch the target, tu vas voir. You will see que la condition va changer. That the condition will change. Je vous ai parlé de la personne avec qui j'ai partagé cela. J'ai dit, j'ai une carabine à la maison. I don't know who I was sharing this with. I have a rifle at home. J'ai appris, j'ai eu quelques cours de tir. I learned how to shoot. Mais j'ai pas fait l'armée. But I never went to the military. J'ai tellement aimé l'armée. But I've so much loved it. Chaque fois que j'ai passé le concours, j'ai joué. But each time I was doing the exam, the entrance exam, I was feeling it. Pourquoi? Why? Let me tell my story. Why? Parce que je partais avec d'autres motivations. Because I was going there with some other motives. Je regardais comment les policiers au Cameroun, les gendarmes, les militaires tapent.